Bonjour, c'est Ndakunoimo et j'ose croire que vous allez bien et j'espère que je suis tombé au bon moment pour vous présenter ces merveilleux appartements qui est mis en vente et à location dans la commune de la Gombe. Let's go! Hier, nous avons eu à faire un vlog sur cet appartement, ces merveilleux appartements qui est mis en vente et en location dans la commune de la Gombe, non loin de la Sensès. C'est un appartement qui contient un grand salon, une salle à manger, plus plusieurs vérandas-balcons qui vous donne accès à avoir une merveilleuse vue sur le fleuve Congo et Brazzaville qui est juste en face et vous avez comme voisin les deux tours jumelles. Et dans ces mêmes appartements, vous avez une cuisine déjà équipée, une toilette visiteur qui est juste là à côté. La cuisine, elle est là, c'est semi-équipée, plus une véranda balcon de la cuisine à l'extérieur qui vous donne une vue merveilleuse sur la partie derrière du bâtiment, où vous allez voir l'ambassade de l'Afrique du Sud qui est juste derrière vous. Il nous reste que 5 appartements qui sont mis en vente et en location en même temps. Il y a 3 chambres, chaque chambre avec installation sanitaire et balcon. Et toutes les pièces sont climatisées. L'eau et l'électricité sont impeccables. Il y a un groupe électrogène, la sécurité impeccable. Il y a un grand parking en bas qui vous permettra d'avoir 2 à 3 véhicules. Et vous avez le syndic qui est déjà payé, donc vous n'aurez jamais le problème de syndic parce que le syndic est inclus au prix du loyer ou au prix de l'achat de l'appartement. Il y a un ascenseur et moi j'ai voulu prendre les images de l'appartement du 7e étage. Et les prix de ces merveilleux appartements reviennent à 600 000 $, légèrement négociables, 5 000 $ pour la location, 3 mois de garantie plus 1 mois de loyer anticipé. Je vous donne ma parole et je vous rassure que une fois arrivé dans cet appartement, vous sentez une paix qui comble votre cœur. Merci infiniment encore pour la confiance. C'était Ndakuno Imo. N'hésitez pas à nous contacter. Merci.